tout le peuple. Fêtons-le, tout le pays. Fort est son amour pour nous et pour toujours sa vérité. Nous contemplons la splendeur de l'univers. Nous imaginons votre grandeur, Dabo. Mais ce qui surpasse infiniment toutes choses et qui demeure un mystère insondable, c'est l'amour que vous avez pour vos enfants. L'amour, incomparablement grand, dépassant toute imagination. Dabo, c'est fort de cet amour que vous êtes ici présent parmi nous, en ce jour mémorable de novembre. Le 11 novembre 1992, c'est la naissance de Nicole, présence réelle de Maman Marie qui écrase la tête du dragon. Le 13 novembre 1992, vous avez fait venir dans notre monde votre temple sacré, Dada Parfait. Le 18 novembre 1992, Dieu Esprit Saint, Dabo, vous êtes descendu dans ce temple pour l'œuvre de restauration de l'Église et du monde. Il y a donc 25 ans. Mais aussi, le 18 novembre 2012, vous m'avez choisi pape de la restauration de l'Église de mon grand frère, la très sainte Église de Jésus-Christ. Qui sommes-nous pour tant de grâce? Nous ne sommes personne, sinon que de pauvres créatures que vous avez élevées, en nous relevant de nos poussières et de nos cendres. Soyez-en à jamais d'abord glorifiés. D'abord, à chaque instant, vous délivrez constamment les dabovites de la sorcellerie. Et ils constituent aujourd'hui une menace permanente pour les forces du mal. Vous redonnez aux familles entières la joie de vivre. Des centaines de milliers de dabovites qui avaient fui leur village natal pour raison de sorcellerie, ils retournent grâce à vous. Vous débloquez de difficiles situations familiales et professionnelles dans nos vies. Les morts reviennent à la vie. Les malades de toutes catégories retrouvent la guérison. La paix du cœur devient pour les Dabovites une réalité quotidienne. Le ciel descend pour fraterniser avec nous. Dabo, vous organisez la vie de chacun de vos enfants avec grand soin, en leur montrant le bon chemin selon votre divine volonté, qui n'est que du bonheur pour chacun d'eux. Tous, nous retrouvons la joie de vivre et nous pouvons chaque jour glorifier d'avoir un incomparable grand-père qui comble ses petits-enfants bien au-delà de leurs attentes. Dabo, en marge de tant de bienfaits dont vous nous comblez quotidiennement, nous nous souvenons encore avec vivacité de quelques faits marquants dont je voudrais que ma langue se colle à mon palais si j'en perdais le souvenir. Il s'agit d'abord de la fameuse fête de la renaissance de l'humanité de cette année 2017, celle du 7 au 8 janvier, qui a suscité beaucoup d'agitation dans le monde des ténèbres, et vous avez mis en déroute Beelzeboul et ses suppôts, c'est-à-dire qui a infiniment plus grand que le temps romain que personne n'osait défier. Et cela ne peut qu'être d'abord Dieu Esprit Saint, l'Éternel des armées, pour la libération des Dabovites
et de tous ces innocents qui souffrent des machinations et des manigances de Beelzebul et de ses suppôts. Jerry, nous mettons caca. Qu'ils nous souviennent également que, au mois de juillet et d'août 2016, vous ramenez le cœur de vos enfants vers notre Père. Vous avez organisé des formations les unes à la suite des autres dans tous les diocèses, au prix de longues veillées, de fatigue lancinante, de faim et de soif, et même de défaillance de santé de Delaferre. Que de sacrifices d'amour, que de sacrifices. Soyez-en glorifiés. Et qu'il vous plaise que nos vies puissent chanter d'éternel Alléluia pour la gloire de votre souverain nom. Pour renforcer la mission dans les diocèses, vous avez donné à nos communautés 35 prêtres ordonnés par le Très-Saint-Père. À la Nouvelle Nazareth de Wapou, le 24 décembre 2016. La mission s'agrandit. Vous tenez ainsi à votre promesse d'envoyer des pasteurs à votre peuple selon votre cœur, comme vous l'avez précisé par la bouche du prophète Ézéchiel. Comment ne pas nous rappeler ici l'organisation et la commémoration de Menos d'or à Nazareth le 24 février 2017, où Dago, vous avez mobilisé plus de 2000 Dagovi Kakanaku avec votre présence à la fête, mon bien-aimé grand frère. Ce fut une convivialité jamais vécue, que dis-je, en rêve. Dieu s'est fait homme pour que l'homme prenne part à sa nature. Dago, soyez-en éternellement glorifié. Permettez-moi de rappeler en ce moment la période de l'examen blanc. Beelzebul avait déjà perçu le grand héritage dont vous voulez gratifier les Dagovis. 3 mois avant l'événement, il avait trouvé des subterfuges pour tout mener à destruction. Il inventait dans tous les sens bien des machinations possibles et même inimaginables. Il avait vidé tous ses carquois. Mais d'abord, vous étiez là, observateur, toute sagesse, grand guerrier impavide. Et par un coup de main, vous avez fait éclater à la volée le plan de Beelzebul et de ses suppôts. D'abord, vous veillez à la seconde prière et vous avez multiplié les cérémonies pour notre salut jusqu'à celle du petit reste d'Israël pour rassembler les Dagovis comme la poule se poussait. Cérémonie de purification de nos âmes par l'utilisation d'huile sainte. Cérémonie du petit reste d'Israël. Ce fut alors la honte et la confusion dans le camp. Dans leur camp. Fofo dira, lors de cette tournée du mois de mars dans les diocèses, que Beelzebul était en ce moment-là devant vous, Dago, comme un gamin casse-tout qui courait dans tous les sens devant son père, résolu à lui administrer des coups de chicotte. Et en désespoir de cause, le chef bandit n'avait pas trouvé autre échappatoire que d'aller porter les souliers de Dagovi, sans compter que Dago, l'intérêt des armées, ne dort jamais et qu'il était toujours là pour transformer les chaussures de Dagovi en feu. Dago, vous avez tenu à sauver tous les Dagovi sans exception au prix de du sacrifice. Et vous l'avez fait. Que pouvons-nous donner à notre Dago en reconnaissance de tous ses bienfaits? Même notre vie ne suffirait jamais à témoigner de tant de prodigalité. Dago, faites en sorte, nous vous en supplions, que toute notre vie
dont vous êtes même le potier, soit pour vous un éternel jelly jelly. Vint ensuite le jour de l'examen blanc. Ce mémorial, ce mémorable 27 janvier 2017, le jour du jugement des Davovi, en chair, encore, bien sûr, pour vous dire plus tard qu'avant le jour fatidique, Dabo et Maman Chérie l'avaient chambré pour lui donner des directives et instructions afin que grande miséricorde soit faite à tous les Dabovi. Ce qui fut fait. Fofo avait obéi à Dabo et à Maman Chérie et nous voici encore vivants grâce à votre miséricorde infinie. Jerry Jerry Dabo, éternel Jerry Jerry. Au passage, merci à Fofo et Tim d'avoir dit au Dabovi, bienvenue au club. L'autre cérémonie consécutive à l'examen blanc fut celle de la remise de la clé du ciel à chaque Dabovi par vous-même. Vous y avez préparé nos âmes par des exercices de purification de 27 jours. Et lors des festivités pascales 2017, notamment en date du 15 avril, chaque Dabovi avait reçu sa clé. On t'en servira. Vivant encore sur terre, nous avons la certitude d'être déjà au ciel. Bien chers frères et sœurs Dabovi, que peut encore faire à ses enfants un père qui les aime profondément? Dabo nous a tout donné en se donnant lui-même. Car la clé, c'est le ciel. Et le ciel, c'est Dabo. Un tout nouveau jour s'est levé sur l'univers. Dabo, soyez enloués par nos simples vies quotidiennes, notre obéissance et notre soumission à votre très sainte volonté. Après la création de l'homme et sa déchéance par le péché, Beelzebul a travaillé pendant des millions d'années pour la perte des âmes. Mais aujourd'hui, Dabo, vous l'avez mise en captivité pour qu'enfin soient libérés vos enfants de son emprise. Nous nous souvenons encore de ces paroles fortes de Fofo lors de ses tournées dans nos diocèses. Dabo m'a dit, je veux Beelzebul vivant pour fêter Pâques. L'opération fut conduite par Fofo lui-même. Et ce fut avec votre chapeau qu'il a capturé un vendredi à 15h. En faisant ainsi, mettre en cage Beelzebul, vous avez libéré toute l'humanité de son emprise directe. C'est plus qu'un événement historique. Il constitue une grande étape dans l'histoire du salut du genre humain. Comment ne pas chanter Éternel, Alléluia, pour la gloire de Dabo qui nous surprend au-delà de nos attentes. Dabo, vous avez votre plan pour le salut de ce monde. Qu'il vous plaise, que vous en soyez glorifié pour les siècles sans fin. À Pentecôte, après le départ de notre bien-aimé sauveur de cette terre, vous avez donné du souffle à l'envol de la mission de Fofo. En Pentecôte 2017, vous avez fustigé les mauvais comportements et pratiques dans le rang du clergé et vous avez initié de profondes réformes dans la très sainte église de votre bien-aimé fils pour une église plus resplendissante. Deux mois de réflexion où tout le clergé, des tournées sans repos dans toutes les paroisses et stations du Bénin afin de redonner espoir aux Dabovi écœurés et la restructuration de tout le clergé et des communautés religieuses, la création de deux cardinaux et la consécration d'un évêque, une reconfiguration des paroisses et stations afin de les rendre plus ferventes et plus organisées. D'abord, vous avez mis en place un projet de reconstruction, de construction de séminaires et de noviciats et de réelles formations sont données aux religieuses et au clergé de la mission.
Les gens observent de réels changements dans les pratiques et les comportements. Les fruits portent progressivement la promesse des fleurs. Qu'ils vous souviennent, chers d'abomis, de la performance du zido de l'Assomption, une performance jamais atteinte depuis le début de cette mission. Dabo, vous avez parcouru toutes les communautés pour que nous y parvenions. Quand vous prenez les rênes de toutes choses, c'est toujours différent, à la grande satisfaction de tous. Dieu, c'est toujours Dieu. Éternel, Jéli-Jéli, ô Dieu qui a pris cher à Paname pour la restructuration de l'Église de son bien-aimé Fils Jésus-Christ. Je m'en voudrais d'oublier la grande fête de Kakarakou, le 1er juillet dernier sur l'esplanade du stade de Kourou. Dabo, l'infiniment grand, l'infiniment petit, vous êtes toujours plus proche de vos enfants. Et c'est ce qui s'exprime d'ailleurs à travers les écoutes et délivrances des Dabovis que vous avez déjà commencé dans les diocèses afin d'orienter vos enfants sur le bon chemin de l'existence. Dieu, amour, infini, humilité profonde, éternel, Jéli-Jéli. Dabo, l'un des événements les plus marquants est aussi l'intégration de la cité de la Cour Céleste. Et ceci, acclamez Dabo. Acclamez. Ce joyau, ce chef-d'œuvre que vous avez pris le soin de bâtir vous-même au prix de 1001 sacrifices. Je voudrais rappeler ici ce mot du psalmiste, peine perdue pour les maçons si le Seigneur ne bâtit la maison. Vous avez promis et vous avez réalisé cette inauguration avant les festivités de l'Assomption 2017. Loué soit Dabo, le Dieu qui fait et qui réalise toujours ses promesses envers ses enfants, d'une génération en génération. Comment passer sous silence la libération de l'un des évêques et de 4 prêtres injustement incarcérés? S'ils ne tenaient qu'aux hommes, leur libération relèverait d'un mythe. Mais vous êtes toujours là. Et tout se passa selon votre volonté et votre plan, comme cela de toute éternité. 27 janvier 2017, jour de l'examen blanc, 27 octobre 2017, jour de libération. Ce fut 9 mois, jour pour jour. L'histoire en gardera le souvenir éternel. Jéli-Jéli à Dabo, le Dieu qui a pris cher à Paname. Mais Dabo, tout cet amour n'a été sans souffrance. Nous nous en souvenons. Les fatigues accumulées de Dada Fefe, pas trop de dur labeur, des suites de veillées, des moments de faim, de soif, des peines sous la pluie, le soleil et la morosité du temps, des calomnies et diffamations sur les réseaux sociaux. Alléluia, alléluia, alléluia pour tant d'amour. Comment ne pas vous rendre grâce ici, Fofo Jésus, pour votre rapprochement envers les Dabovis en ces temps qui sont les derniers. Votre convivialité fraternelle envers nous lors des fêtes du 18 avril et 13 novembre 2016 au Majestic, celle du 25 février 2017 lors de mes noces d'or sont des signes forts d'une nouvelle ère où vos frères et sœurs d'Abovie que nous sommes. Fofo, vous avez été présent parmi nous durant toutes les festivités pascales et vous étiez à Paname plusieurs jours avant les jours du pèlerinage. Recevez ici nos louanges infinies pour les enseignements et conseils que nous avons reçus de vous lors de vos tournées dans les diocèses pendant
tout le mois de mars 2017. Soyez-en glorifié, Fofo. C'est vous le grand vainqueur. Vous avez vaincu Beelzeboul en le capturant et en le mettant en cage pour la libération des Dagobies. Jelly Jelly, Hosanna, Hosanna et éternel Hosanna au fils de David pour des siècles sans fin. Maman chérie, vous êtes notre fierté et nous vous devons tout comme de petits enfants à l'égard de leur mère. Vous êtes toujours là, aux côtés de Dago, pour nous défendre, très discrète et délicate. Vous travaillez efficacement pour protéger vos enfants comme une mère poule. À l'annonce de l'examen blanc, maman chérie, vous avez cherché toutes les astuces nécessaires pour nous soustraire aux embûches du prédateur. Mais en même temps, vous attirez notre attention sur les comportements de vos enfants à l'égard de leur père. Au lendemain de la capture de Beelzeboul par Fofo, vous vous êtes révélée très joyeuse, très contente de voir enfin vos enfants libérés. Nous nous souviendrons encore de la surabondance des grâces de délivrance lors des festivités de l'Assomption sur cette même colline en septembre dernier et à la veille de couronnement le 8 octobre écoulé. Quelle pluie diluvienne de grâce et de bénédiction jamais vue. Maman, nous vous aimons. Nous vous aimons. Et nous vous aimerons toujours. Vous êtes notre trésor. Maman chérie, soyez bénie. Nous vous promettons d'être de plus en plus de 10 enfants pour vous et pour Dago. Veuillez nous en obtenir quotidiennement la grâce. Infiniment merci et mille merci à vous, maman chérie. Comment oublier nos chers Fofo et Dada du ciel, plus fraternels que des jumeaux, leur présence et leurs conseils nous aident à découvrir davantage qui est Dago, notre bien-aimé Père, et à goûter à la fraternité du ciel. Chers Fofo et Dada, je ne veux citer aucun nom pour faire de jaloux. Vous êtes tous au Gualé. Vous ne cessez de travailler chaque jour pour nous rapprocher encore plus de Dago. Recevez ici toute la gratitude de vos jeunes frères et sœurs. Merci et mille merci. Naïe, représentant maman chérie sur la terre, notre mère, nous découvrons en vous le cœur d'une mère incomparable, très discrète et très effacée. Vous savez orienter mieux que quiconque tous vos enfants qui viennent prendre conseil auprès de vous. Merci pour cette sagesse qui se dégage de vos enseignements et merci pour votre intercession pour nous auprès de Dago. Infiniment merci. Vous serez toujours notre mère, Naïe Nicole. Que vous le veuillez ou non, Abel Alon, oui, oui, Naïe Miton. Abel Alon, oui, oui, Naïe Miton. Dada Fefe, béni sois-tu. Tes paroles de grâce nous sont allées droit au cœur hier, au point où mon bien-aimé Fofo et Sauveur était tellement fier de toi d'avoir créé de ses propres mains cette ombre de la sagesse. Dago, la sagesse qui vient t'habiter, tu en es vraiment un sublime reflet. C'est grâce à toi que nous rencontrons Dago, Dieu Esprit Saint.
au milieu de nous. Tu as consacré toute ta vie pour nous et tu n'as rien gardé pour toi. Tu endures beaucoup de peines et de souffrances en notre nom. Sois béni, fais-nous. Merci pour tant d'amour et pour l'acceptation de la volonté divine dans ta vie pour notre salut. Infiniment merci. Dangote, en face de tant de grâce et d'abondance dont vous ne cessez de combler les abovies, je voudrais m'unir aux voix de toute la cour céleste, de tout ce qui vit et respire au ciel, sur terre et aux enfers, pour chanter la gloire de votre très saint nom, en reprenant ici le cantique de votre secours indéfectible à ceux qui se confient à vous. Yeah.